pensais être quelqu'un de violent? Moi, non, pas vraiment violent. Même pas du tout, on va dire. Mais c'est vrai que des fois, je sais pas, j'ai l'impression que ma vie elle est trop monotone et je sais pas, j'aimerais qu'il y ait plus de choses qui l'égayent, on va dire. Donc, j'aurais par exemple faire plus de choses, j'aurais bien aimé aller à la guerre ou des choses comme ça. Aller quoi? Aller à la guerre ou je sais pas, des choses comme ça, pour voir qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Je sais pas, ça doit quand même donner une certaine dimension, les citations du combat ou des choses comme ça, ça doit. Je sais pas, ça doit donner quelque chose, je sais pas. J'ai l'impression peut-être que l'homme, en fait, il essaie de refouler, que c'est pas un être violent ou des choses comme ça. En fait, au fond de lui, il a besoin de violence ou des choses comme ça. Et vous pensez qu'il est souhaitable de faire la guerre? C'est obligé, de toute façon, il y aura toujours de la guerre, vu que les gens, ils seront tous différents, donc ils seront tous, comment dire... Ils auront tous des sujets qui sont pas en accord entre eux. Et donc ils voudront faire la guerre. Voilà. Vous pensez que c'est pas possible de vivre avec nos différences? Je pense que non. On est trop différents pour tout partager. Il y aura tout le temps des choses où il y a des gens qui diront mais moi je suis pas tout d'accord avec toi, etc. Donc ça sera jamais parfait. Là. Il y aura toujours des différents. Et ces différents, petit à petit, à force de les retenir, de dire de pas les garder au fond de soi, de ne pas être d'accord avec les autres, et ben ça éclate. Et puis, ça tu es quelqu'un, ça vous gênerait pas? Si, ça me gênerait. Je serais tourmenté d'avoir tué un être vivant, de savoir qu'il est plus là. De tout temps, il y a eu ça. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. C'est vrai que ce soit de ma main ou de quelqu'un d'autre, je sais pas si ça va changer énormément de choses. Il y a tous les jours, il y a des gens qui meurent partout. Vous avez quel âge? Moi, 18 ans. Vous avez de l'espoir pour votre vie après? L'espoir, oui, j'ai de l'espoir. Je vois jamais trop loin dans l'avenir, mais j'essaie de prendre un petit peu les choses comme elles viennent. Mais je sais pas trop ce qui va venir devant moi, mais j'espère que ça va être bien. J'espère pas que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça va être bien? Je sais pas. J'espère que le monde il va évoluer dans le sens que j'aimerais ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais.